S'enquérir de la mission sécuritaire qui prévaut dans l'espace Kassai, c'est le but de la mission qu'effectue dans cette partie du pays le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge des questions administratives. Le général Mouchi Diav est arrivé mardi à Mbujimayi. C'est en début de la soirée de ce mardi 16 mars que le commissaire général adjoint de la police administrative a foulé les sols de Mbujimayi, à la tête d'une forte délégation d'officiers supérieurs du commissariat général. Philemon Patience Mouchi Diav a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par les commissaires provinciaux de la police du Kassai oriental et de l'Omami. Honneur militaire, passage du détachement d'honneur en revue, le général Patience Mouchi Diav dévoile l'objet de sa mission en Mbujimayi à la presse. Je suis en Mbujimayi aujourd'hui et à cet instant, c'est sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, afin d'échanger avec les autorités politiques de la province du Kassai oriental, les autorités militaires, les autorités policières, pourquoi pas la société civile, sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. J'aimerais vous dire ceci, que ce sera l'occasion pour la police nationale de parler de la sécurité de l'espace Grand Kassai. Après l'aéroport de Bipemba, le numéro 2 de la PNC en RDC a été reçu par le gouverneur de province pour un débrief sur la situation sécuritaire qui prévaut au Kassai oriental. Depuis quelques semaines en effet, cette partie du pays fait face à une montée de la criminalité, caractérisée notamment par des assassinats, des cas de kidnapping et de visites domicilières.